C'est Exminami aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, ça va super, on se retrouve en zone de largage, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur la map carbone et c'est Exoli qui va jouer en Linoob, il va nous traduire ça par une magnifique mob. Et ouais, on n'est pas des PGM pour rien chez l'ex. Il va commencer assez pépèrement avec son UMP45, bien que tout au long de la partie il va ramasser quelques armes, telle la Noob P7. Et je voudrais que vous remarquiez ce sniper. C'est la définition même du figurant sur Call of Duty. Olinoob a quand même eu le temps de lui tirer dessus, de recharger son arme et de le tuer sans que le mec en fasse une réaction. Enfin bref, pour revenir dans le sujet, il y a eu quelques changements dans la team, y compris des départs. Hein. BZH, Sakers, ouais, Sakers et Amazing Tux si je me rappelle bien. Alors si vous voulez de plus en plus d'informations, vous avez qu'à vous rendre sur le topic JVC de la team, hein. On sera ravis de vous répondre. Dans l'absolu, on va avoir quelques changements de la chaîne, hein, de la chaîne YouTube de la ex, puisqu'on va demander le partenariat YouTube. Alors, qu'est-ce que le partenariat? Je vais vous expliquer assez vaguement. Le partenariat, ça va nous permettre de faire évoluer la chaîne, entre guillemets, un peu plus rapidement que si nous étions dans un compte classique. Ça va nous permettre, entre autres, de modestiser nos vues sur chacune de nos vidéos. L'ergonomie de la chaîne va évoluer, on aura un header, des previews modifiables, tout ça, enfin bref, ça va venir, on pense le passer, puisque comme il faut le savoir, il faut faire la demande à YouTube pour le partenariat, et entre la demande et l'acceptation par YouTube, il y a quand même la revue du dossier, donc YouTube étudie votre demande, regarde si votre chaîne... rentre dans les cadres stricts imposés par YouTube. Par exemple, si vous avez des musiques, enfin par exemple vous avez des clips de Call of Duty où vous avez mis des musiques copyrightées tout ça sans avoir les droits, là voilà, vous n'êtes pas dans le règlement, vous êtes hors règlement et donc vous ne pouvez pas avoir le partenariat. Enfin bref, nous je pense qu'on respecte quand même les chartes, etc. Donc la demande, je suppose, hein, normalement, si YouTube n'est pas un bâtard, normalement nous passons la revue du dossier. Mais entre ça, entre donc la demande du partenariat et l'acceptation, il y a quand même un mois, voire deux mois, puisque bon, c'est voilà, c'est un processus qui dure assez longtemps, mais ça vaut le coup. Une fois qu'on aura fait ça, on va s'appliquer sur un schéma. Donc j'ai appelé ça le schéma Code QG. Code QG modétise aussi eux aussi leurs vidéos, bien qu'ils aient un, comment dire, soit une chaîne communautaire, qu'ils aient un plus grand rayon d'action que nous. Donc ils font bien sûr, c'est logique, ils font bien sûr plus de revenus qu'une chaîne comme nous ayant 1000, 2000 abonnés, voilà. Eux, ce qu'ils font, voilà, à chaque événement important, je prends exemple sur le dernier concours qu'ils ont fait, les 200 000 abonnés, voilà, ils ont fait un concours. Concours avec des lots qui sont quand même assez, assez chers. C'est pas, voilà, une Xbox, un Triton, un HDP vert, voilà, c'est quand même des lots conséquents, c'est pas négligeable. Nous, voilà, on va pas faire ça en deux jours, hein, c'est pas parce qu'on a le partenariat qu'en deux vidéos on va devenir multimillionnaire. Si on parle en termes de partenariat, nous serons en bas de l'échelle. Hein, voilà, par exemple Diablo X9, lui, on peut parler que voilà, c'est une chaîne qui a, en termes de revenus, qui est importante. Nous, on est important, entre guillemets, en termes de monnaie. Mais une fois que la monétisation va faire son entrée, il va falloir un peu être au taquet, tout ça. Donc, si vous avez des gens qui sont intéressés par la communauté Call of Duty ou le jeu vidéo en général sur YouTube et qui ne sont pas encore abonnés à nous, dites-leur, voilà, hein, parlez de nous autour de vous. Puisque bon, les concours vont bientôt arriver. Enfin, vont bientôt arriver, je dis ça. Ça c'est pas encore du concret. Hein, mais voilà, on pense réinjecter les revenus que l'on va faire dans des lots qu'on vous fera gagner. Voilà, donc ce sera plus intéressant pour vous. Ça permettra, entre guillemets, une cohésion entre la chaîne et les abonnés un peu plus poussés. Pour ce qui est aussi de la chaîne, si vous avez vu le trailer édité par Price. Price qui est notre éditeur officiel. Si vous n'êtes pas abonné encore, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa chaîne et de s'abonner, ça l'aide grandement et ça nous permet à nous aussi de continuer et de continuer, oui, voilà, les éditings, tout ça, ça lui fera d'autant plus plaisir. Donc, si le trailer vous a plu, sachez que l'éditing complet va bientôt arriver, hein. On espère bien que ça vous plaira puisque c'est quand même du temps passé
passé sur Call of à caler des clips, tout ça. Donc de magnifiques clips en comment dire, en perspective, hein, c'est voilà, on vous a réservé le meilleur. Et on espère bien que ça vous plaira. Une fois que ce sera fait, excusez-moi, SMS. Une fois que ce sera fait, on va vous proposer un top 5 aussi très prochainement. De toute façon, on n'a pas d'ordre vraiment dans les vidéos. C'est selon celui qui a fini le plus tôt ou voilà, y a pas d'ordre précis. Bref, je m'en mêle dans mes mots. Un top 5 trickshot. Alors, la définition du trickshot, pour ceci, hein, c'est vraiment des trucs dégueulasses, hein, qui ont été faits durant des parties de recherche et destruction. Vraiment quelque chose d'immonde, hein. Moi-même, je ne vais pas te faire un dessin puisque je ne sais pas dessiner d'abord, et ce serait censuré par YouTube. Ensuite, bah voilà, la mob, la fameuse mob. Oui, donc le top 5 qui va arriver, top 5 trickshot, on espère aussi que ça vous plaira, et que ça vous fera rigoler, puisqu'on s'est quand même un peu cassé le cul pour que ce soit assez fun. Et on a bien rigolé pendant le set des parties. Voilà, donc la mob, une magnifique mob, donc je le répète, par Olinoob en zone de largage, qui a su entre guillemets prendre en main les armes ennemies et voilà. Et je vais vous laisser sur ce 7500 à 1340, puisque voilà, une magnifique killcam à l'IMS. Je n'ai pas su trouver les mots pour finir ce commentary, mais ce n'est pas grave, on m'excuse, je suis un peu fatigué aujourd'hui. D'ailleurs, je vais aller faire la vaisselle et le ménage, et je vais dormir, puisque j'ai été quand même en soirée pendant 48 heures chez un pote, je suis un peu fatigué. Voilà, c'était Ex Minami, on se retrouve bientôt pour le top 5 que je commenterai moi-même. Bisous sur la fesse droite, pardon. À ciao.